Oh!
J'en profite pour regarder un petit peu les stats du match, les stats qui me concernent en tout cas, pour faire un petit peu le bilan de mon match. Moi, je trouve que j'ai pas fait un trop mauvais match. Il y a eu quelques points où j'aimerais effectivement où c'était pas terrible au niveau du service notamment. J'étais assez bon en récep, ça j'en suis très content et je trouve avoir plutôt bien attaqué. Et on va voir les stats, ce que ça donne. Donc au niveau de l'attaque, ici j'ai eu 26 ballons. Sur ces 26 ballons, j'en ai défendu, enfin 12 ont été défendus. J'ai marqué 8 points, je me suis fait bloquer 4 fois et j'ai eu 2 erreurs à l'attaque. Donc ce qui est plutôt satisfaisant et ce qui me donne un hit ratio de 23%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le hit ratio, c'est la stat qu'on traque au niveau de l'attaque. En gros, le calcul, c'est le nombre de points que tu marques moins les erreurs que tu fais, divisé par le total de balles que tu as reçues. Et c'est ton hit ratio. Et pour avoir un ordre de grandeur, en gros, un très bon R4, il faut qu'il ait plus de 25% de hit ratio. Un très bon central, il faut qu'il ait plus de 35% de hit ratio. Voilà, c'est la norme dans le niveau pro. Niveau amateur, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est la norme au niveau des pros. Donc là, moi, mon objectif de la saison, globalement, c'est que dans ma saison, je suis à plus de 25%. Ça va varier en fonction de l'adversaire, puisque plus ou moins, si l'adversaire défend plus ou moins bien, s'il a un plus ou moins un bon bloc, ce hit ratio, il peut varier, si on a plus ou moins de ballons, etc. Donc, cette stat vaut mieux la prendre sur la saison entière plutôt que sur un match précis. Donc là, pour l'instant, je suis à 23% sur ce match. C'est plutôt satisfaisant. J'aimerais atteindre plus de 25% en tout cas. En ce qui concerne le service, comme je vous le disais, 8 services défendus, 4 services erreurs, pas d'ace. C'est pas terrible du tout. Mon service success ratio, il est de 67%. Idéalement, pareil, c'est une stat, il faut atteindre les 85% si on veut être bien. Donc, j'ai vraiment pas très bien servi sur ce match. C'est vraiment pas terrible, terrible. Au niveau du bloc, bon, il s'est pas passé grand-chose, hein. Au niveau de la récep, c'est là où j'en suis très très content. J'ai reçu sur moi 24 services au total. J'ai fait perdre un point à la récep. Il y a 6 points, donc là, c'est la note de 1. 6 points où en gros on n'a pas trop pu faire une bonne attaque derrière, une bonne passe puis une bonne attaque. 2 points c'est moyen, ça veut dire que j'ai pas mis le passeur dans les meilleures conditions possibles, mais il a quand même pu faire une passe et on a pu attaquer derrière. Et 15 réceps parfaites, c'est-à-dire que j'ai mis le passeur dans les conditions parfaites pour qu'il puisse faire la passe où il veut. Donc en gros c'est si tu mets une récep en poste, enfin en 2,5. Et haute, pas collée et haute. Donc ça, c'est la définition de qualité 3 au niveau de la récep. Donc ce qui me donne une moyenne de 2,3, dont j'en suis très content. En ce qui concerne la défense, ici, j'ai touché 8 ballons, 6 qui n'ont pas pu être joués, 2 qui ont pu être joués et 2 où j'ai mis le passeur dans les conditions parfaites. Donc pareil ici, c'est pas la même chose que la récep, puisque la défense, on est quand même sur la défensive, on se reçoit une attaque. Donc, ce qu'il faut lire, c'est que si on est sur pas mal de défense, c'est qu'on est bien placé, on arrive à bien lire le jeu, etc. Derrière, bon, si on se prend une grosse attaque, on se prend une grosse attaque, il faut l'accepter, on ne peut pas forcément tout défendre. Mais c'est un indicateur de savoir si tu es bien placé déjà. Si tu es sur zéro def, c'est qu'en fait, soit on t'attaque pas du tout dessus dans le match, et ça c'est ok, soit tu es un petit peu mal placé. Donc voilà en ce qui concerne ce match, et on va aller regarder la personal review, c'est-à-dire que là je vais faire un focus sur mes 3 premiers matchs pour faire un mini bilan des 3 premiers matchs. En gros, j'ai joué 3 matchs, le premier 3-7, le deuxième 1-7 et le dernier 3-7. En contribution, je suis à moins 3, moins 1 et 1. Et là, je trouve qu'il y a quand même une progression sur pas mal de plans ici et quelques aussi. Quelques choses à corriger un petit peu. Donc au niveau de l'attaque, c'est vraiment pas mal puisque bon là j'étais à 30%, 25% et là je suis à 23. On pourrait dire que c'est pas c'est une descente, mais au contraire puisqu'en fait j'ai eu beaucoup plus de ballons, j'ai réussi à conserver un hit ratio équivalent avec quand même 26 ballons ici. J'en ai 8 et 10 donc voilà. En ce qui concerne le service, là effectivement c'est une dégression un petit peu.
j'ai fait 4 aces au premier match et plus du tout sur les deux autres, et surtout 2 erreurs et 4 erreurs. Donc ça a corrigé l'entraînement très très vite, très très vite. Il faut que je retrouve mon service. En ce qui concerne la récep, c'est là où vraiment, premier match, je me suis fait démolir par l'équipe en face. Ils ont décidé de tous me focus et j'ai pas tenu la route. Je dois l'avouer, voilà, sur ce premier match, ça n'a pas été terrible. Donc 1,3 de qualité moyenne de la récep. Donc ça, c'est pas terrible du tout. Et on voit une réelle progression, 1,9 sur le deuxième match et 2,3 surtout sur le troisième match avec vraiment beaucoup plus de ballons touchés en récep. Donc ça, j'en suis très content. Et donc, si on prend une moyenne, 7 joués pour l'instant, 25% de hit ratio moyen, 73% de. Donc, avec comme objectif de dépasser les 25%, de faire entre 25 et 30 sur toute la saison. Ça serait pas mal du tout. Le service success ratio, si je peux le remonter à 85, ça serait bien. La qualité de la récepte, si je peux l'augmenter à 2,2, ça serait top. Et donc voilà, ensuite globalement, on verra les autres points plus tard. Donc voilà, il n'y aura pas de match, pas de vidéo la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de match ce week-end. Donc il n'y aura pas de match mercredi prochain. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao!